Bonjour à toutes et à tous, c'est Nathendo et bienvenue dans ce nouvel épisode de Xenoblade Chronicles Definitive Edition. Nous sommes toujours le 17 février et je ne sais toujours pas ce que Nintendo a annoncé dans son Nintendo Direct. Mais si ça se trouve, ils ont annoncé un Xenoblade Chronicles X Remastered pour la Switch, peut-être. Ou carrément une nouvelle IP Xenoblade Chronicles 3, peut-être. C'est peu probable, mais soyons fous tant qu'on est dans Xenoblade Chronicles. Cet épisode sera sorti, mais, mais bien après, finalement, l'annonce de ce Nintendo Direct. Mais à l'heure où je le tourne, ce n'est toujours pas le cas. Et forcément, parce que je tourne tout aujourd'hui pour les futures semaines, nous allons charger notre partie, bien évidemment. Voilà. Continue notre aventure. Je ne sais plus du tout où on en était arrêté, mais on devait faire des missions secondaires, je pense, pour gagner en XP. Nous étions arrêtés ici. Ah ok, on devait tuer ces trucs. Non. Ça peut pas être ça. Ça peut pas être ça qu'on doit tuer. Non, c'est ça. 34, c'est bien ça. Allez, viens. Piti, piti. Ouais, mais ça va pas le faire, là. Il vient pas... Il vient pas nous attaquer, ce con. Non. Ah, voilà. Merci de lui avoir attaqué à distance. C'est gentil. Ça nous aidera, ça. Hop, on va se mettre ici. Et là, il meurt. Très bien. Ça nous fait une quête, en fait. Hein, donc, c'est pour ça que je les tue. Je sais plus exactement. 1 sur 3. Ok, c'est ces deux-là. Mais faut pas que eux nous tuent. Enfin, faut pas qu'eux nous voient, quoi. Donc, ce que je vais faire... Voilà. Il a mis 9000 directs. Et surtout, ne me regardez pas. We win. Très bien. Il y en a un autre ici. Je viens de massacrer ton pote. Mais tu t'en fous. On va le buter le plus vite possible. Voilà, très bien. Ok. On a fait la quête. Normalement. Non ? Ah mais c'est pas les bons. Je vais pas tuer les bons. Oh non. Viens là, Coco. Allez. Tire-lui dessus. Allez, Pity. Ou non. Dégage. Allez. Tu veux pas lui tirer dessus, là? Ah, voilà. Tu vois, quand tu veux. Tu peux être utile. Petit Rikipon. Ok, on l'a buté. Très bien. Il m'en faut un troisième. Non? Il est où le troisième? Ah, c'est ça qu'il me faut. Mais ça l'a vu. Ah, le problème... Est-ce qu'ils vont me défoncer là? Attendez, on va sauvegarder. On va essayer de pas se faire voir. Tu ne me vois pas. Il a vraiment des yeux de merde. Hein. Non mais non, mais évidemment. Putain. C'est quoi que je vais buter là? Non, c'est vraiment ça, mais là il a décidé de me faire chier lui. Ok. Tout ça pour un coquelicot quoi. Bon. Yes. La carte. Je ne suis pas de quête. Ah, c'est au-dessus. C'est au-dessus, bon bah très bien. On ne peut pas monter de toute façon. On va se barrer de là. Téléporter, téléporter, ce n'est pas ici. Carte des zones. Ah mais il faudrait faire une quête peut-être. Quête. Sauver Fiora, bah oui mais là le problème c'est que c'est niveau... C'est niveau trop là. Quête d'ennemi 2. Il me dit de flan le lac. Oui, pourquoi pas.
Tchac. Le journal de quête. Peut-être la colonie 6, il nous manque des trucs. Livraison du repas. Treshul qui est devenu son repas. Mais si c'est fait, je suis con. C'est le point d'exclamation qui m'a. Le petit frère de Tatsu. Tatsu a perdu un souvenir qui appartenait à son petit frère. Allez retrouver la mine principale. Ben voilà. Suive la quête. Allez. Du coup maintenant, on va pouvoir faire X. Carte des zones. Mine principale. Elle est où? Point d'observation, strat. Bon, on va aller là. On verra bien. On verra bien où ça nous mène, hein. Ok. Ça n'a pas l'air si loin que ça. Mais je me trompe peut-être. Non, ça va. Ok. Ah, attendez. Cette partie-là me dit quelque chose. Il y a des monstres à tuer là. Les mécones, on s'en fout un peu. Salut. On va aller chercher le bonnet. Touloulouloulou. Musique un petit peu oppressante. C'est le. On est peut-être pas mort là? Si, on est mort ici, je crois. Dans ce genre de zone. Allez, oup! Allez, oup! Hop, mais ils me font quoi? Vous me faites faire de la merde là. Comment je vais là-bas? Ah, il y a un putain. Ah putain, il y a un. What the fuck? Il y avait un passage là. Mais qu'est-ce que tu dis, allez, oup, toi? Arrête! Bonnet. Il y a un truc là. Personnage d'information. Tranche horaire à tout moment. Et mais elle est plus là, elle. C'est barré la char là. C'est très con ça. Carte des zones. Mais t'es où? Il est là. Allez. Si ça se trouve, il est pas du tout là, hein, mais. On verra bien s'il est là. Absolument pas. Il y a une. Ah, c'est une faille. Ok, très bien. Super. Indisponible à 7 heures. Mais oui, mais casser les pieds aussi. Ah, ça donne de l'XP. Mais oui, mais. Moi, je veux dormir. Comment je fais? Je fais ça. Heure. Voilà. Heure cible, on va mettre 11 heures, allez. Ah bah c'est pratique, c'est encore plus pratique que dans Breath of the Wild. J'allais dire putain, faut faire un feu et tout, mais en fait non. Tu demandes juste l'heure et puis voilà. Touloulou. Par contre, j'aimerais bien voir où il est du coup. Ça peut être intéressant. À la colonie 6. Ah, ben il est là. Ok. Les temps de chargement en téléportation sont assez rapides hein, quand même. Quand on est déjà dans la zone. Vous avez trouvé par le bonheur, grand merci. Le frère au pont de Tatsu serait si heureux de revoir son bonnet. Frère au pont de Tatsu, et du blablabla. Tout s'est parfaitement bien passé. Sûr que non, une fois lancé, rien ne nous arrête. Merci, jeune gens de Tatsu, c'est comment remercier? J'ai rien compris. Merci pour ça. Voilà, 770 d'XP. Allez, oup! T'as pas une quête à donner, toi? Non. Je vais essayer une quête, blablabla. Soyez Fiora, quête d'ennemi. Tchac, tchac, jambe de Bayonis. L'enlèvement de 4 chats, c'est quoi ça?
Katcha l'érudite a été enlevée par les Urodels qui semblaient avoir apprendre quelque chose d'elle. Et le secours de Krajan la forteresse de l'exil. Ben voilà. Allez, on va suivre la quête. Je sais tellement pas comment ça marche que je me trompe de bouton. Hein. J'ai tellement pas fait de quête. C'est abusé. Hein. J'ai l'impression que je suis passé à la moitié, à côté de la moitié du jeu. C'est assez abusé. En même temps, c'est un peu le cas. Hein. J'ai rien exploré, je suis passé en ligne droite. Mais ça nous permet de désormais de retourner dans les endroits et d'explorer à nouveau les lieux. Je me rappelle plus du tout cet endroit, quoi, par exemple. Bah si, c'est la nuit. Si, je me rappelle. La nuit, c'est magnifique. Juste parce qu'on peut. Donc, autant en profiter. Mais la nuit, c'est magnifique. Regardez. C'est-il pas beau? Si. C'est beau. Alors, apparemment, je me suis chié complet sur la destination. Carte. Il y a un milliard de trucs à faire. Et il est hyper loin. Forteresse de l'exil. On va les récolter. Non, pas réculter, ce qui ne veut rien dire. Récolter ou récupérer, c'est comme vous voulez. Les petits trucs dont on a besoin. Là. Parce que sur la carte, nous avons des points d'exclamation bleus. Enfin, oula, non. Gentil, toi. Rouge, du coup. Je ne sais plus les couleurs. Et autant les récupérer. Parfait. Rose d'éther. Ah, c'est pas rose d'éther, c'est rose éther tout court. On va pas s'affronter le niveau 82. Hein. Mais c'est con, y a pas des niveaux 40 là. Niveau 24, ça va m'apporter 20 XP quoi. Après c'est toujours ça, vous me direz, mais bon. C'est un peu long. Hop, on va suivre gentiment le chemin qui nous est tracé. Là, il y a des ennemis. On les fait. Allez. Vous êtes de face. Il y a dodo. Boum. Ok. En un coup. 7 d'XP. Ok, je vais pas m'emmerder. Hein. On va pas s'emmerder. Au 26. Il me semblait qu'il y avait des... Ah mais il continue de me faire chier lui. Il y en a là-bas. Ah, un coffre. Bonjour. Arme de pacotille, ça donne envie. Est-ce que c'est sur le même... que c'est sur le pont, ça va. C'est sur le même plan quoi, ça je voulais dire. Je n'ai pas à descendre. Hein. Ok. Très bien, merci bien. Et derrière, je devrais pouvoir aller là. On profite la nuit, c'est beau. Ok, là, il y a des gros monstres. On n'est pas prêt de les affronter. Ah, le piaf, non mais il y a que des... En fait, c'est ça, il y a que des big machins ou... des tout petits trucs. C'est un peu gros des niveaux mastodontes. On va éviter. Ah, tu es là. Merci. Hop. Très bien, il n'y en a plus. On va pouvoir monter. Ah, il y a un autre. Si, il y a un autre machin. Alors, je ne sais pas ce que c'est. C'est ça. Ah mais là... Rogul brumeux est bien gentil mais... Il va pas venir si je... Ils vont crever là. Allez-y, je vous retiens pas. Hein. Juste attaquez-le en fait qu'ils viennent. Ah bon. Il vient pas. Là, il y a la grenouille. Très bien.
Non, pas attaqué du tout au bon endroit. On va prendre ça, vous m'excuserez. Mais j'ai quand même l'impression que c'est plus rapide que de faire tout le tour. Je me trompe peut-être, hein. Parce que si bien, ça va pas mener tout de suite au bon endroit. Mais ça nous fait explorer les environs, voilà. Hop. Il y a un gros piaf, giga piaf. Non, oui, on est presque au bon endroit. Niveau 26, on s'en fout. Ça va me rapporter 7 d'XP. 27, y'a pas un niveau 40, un niveau 50 là? Ça va rien les mecs. Niveau 26. Bon, on peut les faire peut-être. Non. Allez, non, là y'a rien. Bonjour. Petit chemin sinueux. Qu'est-ce qui nous attend à l'intérieur? Ok, plein de monstres. Ah, là, il y a un garde. Ah, Godwin l'insensé. Tu m'attaques pas? Ah, si, voilà. Ça rapporte un peu plus d'XP déjà. Normalement. Hop. Palimpin. Alors là, on devrait toucher un petit peu tous derrière aussi. Pas du tout. Ok. Ah, carrément, je meurs. Les gars, aidez-moi. Mais je me barre en fait. Hein. Il est mort ou... Ouais, il est mort en fait, ok. Enfin, j'y crois pas, j'ai failli crever sur le boss quoi. Hop. Ah, il se fait agresser. Mais double. Hop. Bon, ben voilà. On s'est fait peur à un moment, mais... Tout va bien. Tout prendre. Ben oui, faudrait pas perdre notre tête. Enfin. Un super coffre avec des choses à l'intérieur et des cristaux. Ok. Bonjour petit pont. Homme, un peu trop tard. Kasha a dit secret aux Urodel. Mais Kasha contente que Homme venu la sauver. Maintenant Kasha peut retourner voir Bokoko. Merci tout plein. Bon, on a un peu traîné, j'avoue. On a mis un peu de temps. Ne vous inquiétez pas, on est arrivé super vite. Kasha est de retour, mais Kasha a réveillé ses creux du Rodel. Mais Bokoko juste content Kasha, ça les sauve. Tout s'est parfaitement bien passé. Bokoko, c'est pas ce qu'il voulait, Rodel. Bokoko vous remercie d'avoir sauvé Kasha. Et ben on a tout pris. Ah, tu me redonnes des quêtes, toi. C'est bien. Bokoko veut monter camp, mais pas matériel nécessaire. Bokoko, vieux, mal bras et jambes, Bokoko peut pas aller chercher. Ah bah oui. Rikito muscule face à ce problème énorme. Ok. J'en ai fort, pourrait faire l'ilouiller. Pauvre vieux corps. Il veut quoi? Ah, 10 000 pièces. 1000 XP, trouver 4 graines. On a les... Ok. Ça me paraît bien sans rien. Aucun problème, je m'en charge. On a quelques trucs déjà, mais on est dans le lieu en plus. Donc allons-y. Faut que je fasse quoi? Faut que j'aille tuer ces trucs là.
Mais ça devrait être faisable. Salut. Il y a ça aussi qu'il nous faut. Très bien. Un petit coup d'épée. Derrière, on a... On pourrait prendre ça, hein. Tant qu'à y être. Ah, les autres, il n'y a même pas eu la musique qui a eu le temps de se déclencher, qui était déjà mort. Celui-là, t'as un peu plus résisté. C'est bien. Elle est pas mal, la musique, là. Elle est reposante. J'aime bien. J'aime beaucoup. Ok, on a ça derrière encore. Non, c'est celui-ci. Très bien. 25 000 dégâts, il doit avoir 10 000 PV le machin. Même pas. 1 sur 4. Ah. Ah merde, par contre... Il n'y a plus tant que ça de trucs. Attendez. D'où je suis pas de quête. Le camp. Voilà. Ah, bah c'est un peu mieux. Il me reste quoi? Les graines d'Axol. Super fourrure, les feuilles de plus. Ok. Bon, on va aller chercher ça. T'entends qu'à y être. Toi, tu peux pas me donner d'autres trucs. Kasha a besoin d'aide. Kasha, grave problème. Kasha a donné information aux Urodel. Urodel parti dans hauteur prémarée des ombres. Un homme doit les suivre. Je peux te faire quelque chose. Ok. Toi, t'es bien examiné. Ok. Ça, j'accepte. Ok. On gagne des niveaux entre les makes. Les mates et les makes. Donc, c'est intéressant. C'est comme ça qu'on renforce aussi le... nos niveaux. Pas du tout en fait, c'est juste qu'il a gagné un niveau, très bien. Mais il me semble que c'est intéressant quand même. Hein. Que l'entente soit augmentée. Ça augmente les chances. Oh, on a loupé. Non mais ils vont pas nous faire la... Ah, ils nous font la même. Ils nous font les mêmes... Putain de réplique à chaque fin de combat, quoi. Un petit peu relou. Hein. On avait le même souci dans le 2 et ils l'ont changé. Les ennemis qui disaient toujours Think you can take me? I can take you. Je sais pas, un truc dans le genre. Et au final, ils l'ont viré parce que c'était juste saoulant. Ils ont mis des alternatives. Et ça a fait du bien. Par contre, le Bunch of Blockers. Mais par contre, ça me donne rien, on est d'accord? Trouver 4 graines d'Axol en éliminant des Axols dans les marais Satori. C'est des Axols, ça? Pourquoi ça les tue pas? Les graines d'Axol. Ah, mais parce que, ok, ils donnent pas forcément des graines d'Axol. Cristal d'Axol, graine d'Axol, voilà. Ok, donc il faut en tuer plein. Attendez, il y a un truc là. Voilà. Ok. Typiquement le genre de truc que si tu mets 5 minutes à les tuer, tu t'es un petit peu déçu d'avoir du mucus pieux, quoi. Et où là, je sais pas où il nous amène là. On a tout. Les marais Satori.
Ok. 4 feuilles plumes. Probablement vers une feuille plume d'ailleurs. Pour le lit, je comprends. Pierre feutrée. C'est quoi? Ça va être quoi? Lit de camp, pierre feutrée. Ok, c'était une pierre feutrée. Très bien. Je ne pensais pas. Là, c'est probablement vers les feuilles plumes. Ah, il y a un rouge aussi, tiens. Je sais pas exactement pourquoi c'est, mais on va le faire. Par contre, ça m'éloigne des autres trucs. Ça m'arrange pas, ça. C'est feuille plume ou... Non, c'est feuille plume, ça. Voilà. Ok, tu m'amènes à une autre feuille plume. Ok, et là t'as un machin rouge qui est pas loin, et c'est lui. Toi, viens là, Coco. Allez là, petit. Voilà, c'est ça qu'on veut. Très bien. Hop. Rogul brumeux. Bah très bien. Derrière on a ça. Et ouais, mais le problème c'est que là on en a... on s'est éloigné des autres trucs. Fuck. Parce qu'il nous reste plus que ça. Et il faut que j'aille... Wow. Ça me fait aller où, ça? Là, très bien. Et ça va dans la bonne direction. Ok, très bien. Ça me va. Ça me fait aller dans la bonne direction parce que je dois aller sur le... Dans le gros carré, là. Enfin, rectangle, plutôt. Donc, c'est parfait. Chevalier Eurodel. Ah, c'est eux. Oh, bah, on va pouvoir les buter facilement. Toi. Tu es ma cible. Allez, donne-moi un truc là, qu'il me faut. Non, mais mucus poisseux, on s'en fout de mucus poisseux. On veut une truc d'Axol là. D'Axol des opticiens. Je sais que c'est pas du tout ça, mais c'est la seule blague que j'ai trouvée avec Axol. J'ai dû en faire des mieux. Hein. Voilà, graine d'Axol, parfait. Non, ça c'est de la merde. Ah, bah ça c'est bien ça. Petit. Salut, salut. Bonjour le piaf. Voilà. Exactement ce qu'on veut. Tu viens le piaf? Mais tombez pas dans la flotte les cons. Bon. Ah ouais, mais... C'est les totos les gens. Tapez le pas dans l'eau aussi. Allez hop. Pam pam pam. Quête terminée, très bien. Récompense 6800. Et on a gagné 0 d'XP. Bon. On a dû en gagner 50 en butant les mecs. En tout. C'est-à-dire que ça t'a l'XP. Mais ça nous fait gagner de la thune. Donc pourquoi pas. Non mais zut quoi. C'est pas le premier mot qui m'est venu à la tête, hein. Mais c'est celui que j'ai dit. Zut. Ah quoi? Pardon. Ah merde. Mais si j'avais su... Allez. Non mais zut. Ils sont où là?
Non, mais dis pas qu'ils sont tout loin là-bas, là. Oh là là, zut, hein. On va changer de quête, hein. Quête ennemie. La cité des gens, voilà. Mais merde, c'est pas là qu'il faut que j'aille. Ah si. Très bien. J'ai eu peur 2 minutes. On lèche le courrier. Là 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 là. On peut explorer le paysage brumeux. Il y a quand même des trucs, hein. Il y a du boulot. C'est pas mal, hein. Faut apprendre à apprécier les environnements. Parce que c'est du taf. Et puis honnêtement, quand c'est beau quoi. C'est original. L'environnement comme ça à la nuit là, mais. Imaginez en full 4K avec des textures, du ray tracing et des particules dans l'air. On peut l'imaginer, hein. Parce que bon, c'est pas ce qu'on voit, mais imaginez-le, quoi. Peut-être que dans 10 ans, on aura ça, quoi. À un moment, ça arrivera. Aïe. Ils me font pas de dégâts, on est d'accord là. Merci les gars. Voilà, on va focusser nos efforts. Voilà, bon, là on leur a mis un petit coup au moral là. Hein. Allez hop. Il va crever. Il est où le cinquième? Juste derrière moi, ok, très bien. Et hop, la clé des géants. Très bien. On va pouvoir aller ici. Voilà qui ouvrira la porte secrète. Très bien ça. Et on rentre là-dedans, ok. Une quête un petit peu plus profonde que les précédentes de récolter des matériaux, quoi. Intéressant. Non, mais c'est des corps, quoi. Elles y sont un peu les particules, là. Hein, mais c'est particules simplistes. Mais regardez ça, quoi. Imaginez, vous rajoutez des fines particules. Une profondeur de vision un petit peu plus grande. C'est déjà épique, quoi. La lumière un peu moins plate, du ray tracing. Voilà, je demande pas grand chose, du ray tracing sur Switch. Lol. Déjà, il en faudrait sur PC qui tourne bien. Mais bref. Vous voyez l'idée, quoi. Déjà là, c'est sympa, quoi. Non, mais dire que c'est sorti sur Wii, ce truc, quoi. Bon, ça devait pas être comme ça, hein, parce que c'est quand même un remaster en HD, donc malgré tout. Mais c'est sorti sur Wii. Comment je monte là? Ben là en fait. Ok. Ah non! Oh non, allez, oup! Oh non! Oh, je me suis chié. Bravo. Bon. Et ben on refait le petit tour. On reprofite du paysage. Allez, bonjour monsieur le piaf. On profite. Non, non, c'est classe. Bon, je n'ai jamais joué au jeu sur Wii, donc je peux pas comparer. Mais ça devait être très certainement bien plus dégueulasse. Hein. Enfin, quand même. L'immensité des décors et autres. Pour l'époque, ça devait être assez incroyable. Mais ouais, le remaster, il a fait quelque chose quand même.
Même si Xenoblade Chronicles 2 est plus beau dans mes souvenirs. Après, on se rebat sur le. Voilà, même au niveau des animations, ça me paraît un peu. Ah, bah, ouvre la porte en fait, je suis con. Ah, mais c'est encore un comme ça là. Bah, pourquoi pas, hein. Voilà, hop, on va lui mettre ça d'un coup. On va le focus. Godwin l'insensé. Merde, j'ai loupé. Allez, Coco. Aïe. Je pense que je peux me mettre derrière comme ça. Non. J'ai l'impression qu'on se fait un petit peu violenter là. Ouais. On se fait tabasser. Tabassage de groupe. Aïe. Non mais ça sert à rien votre truc. Vous faites que des échecs. Ok, là on l'a buté, très bien. Et il dégage. C'est bon, le gros est mort. Terminé, hein. Le rodal défensif. Désolé, j'aime pas m'attaquer aux soigneurs, mais va bien falloir un moment. T'es un méchant. Je sais pas pourquoi t'es un méchant, mais. Écoute, t'es un méchant parce que t'es pas un gentil, quoi. Parce que t'es pas de mon côté, on va dire. C'est plutôt ça la vraie raison. Parce que c'est même pas un mécon, quoi, donc. C'est juste une créature. Non, c'est là-haut. Faut que j'aille là-haut. Comment je monte? Comment je monte? Il y a une porte, il y a. Ah, je peux descendre. Non. Par où? Ah. Bonjour. Je suis très le passage secret. Bien vu. Et hop. Qu'est-ce qu'il va y avoir? Un gros coffre? Un monstre? On va sauvegarder. Je le sens mal là. Je sais qu'on est bien en avance sur les niveaux, mais sait-on jamais. Non, ok. Juste un méga coffre. Il doit falloir déposer une sorte d'offrande. Oh non, t'es sérieux? Oh là là, c'est tout. Oh, la déception. Bon, c'est pas terminé à mon avis, mais allez, hop. On va aller voir Cacha. Cachalot. Homme, son héros, empêcher Hurdel voler trésor. Ah, rien de spécial avec Hotel. Ah, mais oui, Cacha oublie détail. Hurdel aurait pas pu prendre trésor de toute façon. Cacha explique prochaine fois. Merci d'avoir protégé trésor. Cacha offre cadeau pour remercier d'avoir partagé le trésor des géants. Protégé plutôt. Ben merci. Merci pour les 2000 d'XP. Ok, elle me redonne une quête. Hommes ont découvert qu'Hôtel de Forteresse de l'Exil a secret. J'aimerais en savoir plus. Pas toujours, Ikinedo, écoutez. Faut mettre offrande sur Hôtel. Rituel offrande, des trucs comme ça, très important pour le géant, tellement mystérieux. Pareil dans toute rune géant. Mais à leur taille, ils semblent respecter l'ordre et les règles. Mais qu'à chaque croix des géants ont lutté contre des araignées blanches. Les individus d'une même peuple peuvent différer grandement. Mettre miroir des gens sur hôtel. Miroir dans le temple de Daksha sur Jean de Bonis, pas loin d'ici. Ok. Ok, on sait pas quel trésor ce sera, ça peut être intéressant. Par contre, j'aimerais. Voilà. En profiter pour terminer la quête de l'autre papy là.
J'aurais pas dû faire ça. J'ai fait le con. Ok, ça n'a pas duré beaucoup. Non mais... Mais zut le mucus, hein. Allez, donne-moi un truc, qu'on en finisse. Oui, merci. Elle est terminée la quête, là. Voilà. Allez, on va faire ton lit. Et puis on s'arrêtera là pour cet épisode, je pense. Hein. Oh oui, 40 minutes. Merci maintenant, lit bien moelleux. Bokoko va bien dormir et se sentir plus jeune après. Tout s'est parfaitement bien passé. On était super fort. Fond la danse de victoire, danse victoire Nopon. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Bah je me demande et j'ai pas envie de savoir. Quête terminée. 10 000 de pièces, hein. Ça c'est cool. Et ben voilà, écoutez, merci à tous d'avoir regardé cet épisode et je vous dis à la prochaine pour la suite. Ciao ciao tout le monde.